personne n'en a jamais attrapé, ça veut pas dire qu'ils existent pas. Tu as bien raison, Lara. Mais ils préfèrent peut-être rester discrets. On dit qu'ils sont très féroces. Les Yétis ont juste l'air féroces. C'est sûrement parce qu'ils n'aiment pas avoir froid tout le temps. J'aimerais pas ça non plus. Mais tu n'auras jamais froid, ma Lara, si tu n'aimes pas ça. Regarde ! Henri, qu'est-ce que c'était ? Lady Croft, Mayday, oui, Mayday ! Ici Bravo Tango 229. On a perdu le moteur bâbord. On passe sur réserve auxiliaire. Est-ce que l'avion va s'écraser ? Le moteur tribord ne répond plus. Uniquement si on ne peut pas faire autrement. Stabilisateur HS, plus de gouverne, on perd de l'altitude. L'avion pique du nez ! Allez, ferme les yeux, ma chérie. Non, je ne veux pas fermer les yeux. Bien plus amusant. Ouais. J'ai la nausée dès que tu regardes en bas et ça me fait peur. Hé, Alistair est de retour. Attrape un casque. Déjà revenu ? De Florence, c'est ça ? J'ai opté pour Gênes en fin de compte. Mon mémoire verra jamais le jour à ce rythme, mais c'est pas grave. Alors c'est comment l'Olivier ? Virginie. Alistair, je te présente Tiwanaku. C'est une charmante civilisation pré-Inca, actuellement en ruine. Enchanté. Je cherche certaines reliques depuis... pas mal de temps. Et une vieille copine qui travaille à la Paz m'a parlé d'une rumeur plutôt intéressante. Quel genre de relique ? Un socle en pierre gravée, entre autres. Ouais, un caillou, quoi. Elle veut pas en dire plus. Parce que... ça vous gâcherait la surprise, non ? C'était génial. Tiens, rends-moi service, vérifie ton PDA. Il marche encore, si c'est ce que tu veux savoir. Cool, c'est étanche, comme prévu. Tu devrais pouvoir nager avec sans problème. Sauf si tu le manges, là faudra attendre une heure. Regarde pas l'écran, alors. Mmh.
Allez, Zip, détends-toi, on est loin d'avoir fini. J'oubliais ton optimisme légendaire. Pas de grimpeur. Oui, ben, je peux pas tirer à vue si je vois personne. Je m'étais préparé à descendre quelqu'un aujourd'hui. Puis y a personne. Je m'en dois une. Sûr que je vais le dire à Rutland, qu'est-ce que tu crois? Pas de une poste. C'est du tir au pigeon. T'as vu un peu la tête de chat? Tu sais qui c'est ou pour qui il bosse? Aucune idée. Il est délibérément insignifiant. Et ça, c'est bon signe? C'est délibéré. Donc ce n'est pas bon signe.